Eh bien, salut, on se retrouve ici pour la... Attendez, voilà, mais non. Maintenant, on se retrouve pour la suite, pas encore avant. Salut, on se retrouve ici pour la suite de GTA V. Et puis, on va aller voir Salomon. Qu'est-ce qu'il nous a à dire? Par contre, on va se garer là, proprement. Oui, très propre. Très propre. Bon, on va laisser le truc avec le propre. Par contre, on va quand même aller visiter Salomon. Avec Michael, qui s'est fait libérer la dernière fois. Je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. We had a deal. We had paperwork. Hey. Fuck off, Johnny. La balade de Rocco. We're beat that on an old man. Yeah, we don't take that. We have a deal with them. Just about. Please, get those millennial ass wipes. Pleasure. You fuck what? Where you going, tough guys? You told me we had an understanding! How you like me now? That's on you, dickwad! Put the fuck out! I'm only a paraplegic! But you can't feel anything! Yeah, you're throwing me softballs. Rum runner. But, speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Yeah, of course, I'll be right over. Coming! Come in! Thank you, thank you, thank you. Yeah, turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. 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 Par contre, je m'excuse si je dis fait parce que je viens de remarquer que j'avais éteint mon micro. Maintenant, je suis de retour, les gars. Par contre, je vais quand même me taire. Welcome to show business. Nothing but make believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Ok. Je parlais que c'était sa femme. Donc,
Je m'excuse encore une fois parce que je viens de juste remarquer maintenant que j'ai éteint mon micro en fait. De toute façon, vous n'avez rien loupé parce que de toute façon, j'ai juste dit la merde. Comme d'habitude, vous êtes déjà habitué. Et puis, pourquoi? Alors, exprès, je me suis garé ici, dans les parkings non handicapés. Et puis, ils nous mettent notre véhicule automatiquement sur les parkings handicapés. Ils veulent nous dire quelque chose avec ça? Je peux pas donner la réponse en ce moment, mais j'espère qu'ils veulent rien nous dire avec ça. Et que c'est juste par hasard comme ça. Ok. Bon, maintenant on va aller chez Lester pour voir qu'est-ce que lui il nous a à dire. De toute façon, avec lui, on est en train de préparer. Enfin, il avait l'idée de préparer un grand truc là. Bon, dans la logique, il faudrait d'abord que je garde la voiture chez nous, mais bon, voilà. Au pire, si on l'a plus. Il doit bien avoir d'autres voitures bien rapides. En plus, on a déjà une voiture assez rapide chez nous dans le garage avec Michael. Mais c'est vrai que celle-là, trafiquée, elle peut être pas mal. Et j'aime bien le bruit de. Du moteur qu'elle fait. Très bien. Maintenant, je pense que chez Lester, il faut que. Bon, on doit un peu préparer tout ce qu'il a prévu. Ou ouais, peut-être entre-temps, il a prévu encore un autre truc. Avec Lester, on sait jamais. C'est un grand malade, de toute façon. Mais il est bien, c'est un bon mec. Salut. Just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Une toile de nothing bureau. Looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? So anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, well, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry. Because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater. Some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence. And I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? Oh, no, no, that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey, it's the last thing we do, and we're done. Period. Of course, I'm a man of my word. Dave, let's go. Je le sens pas trop. Come on, Lester, let's genre que c'est la dernière fois. Good luck, gentlemen. On va te faire foutre déjà, et puis on va s'en occuper. Ah bah là, lui est déjà tranquillement dans la voiture. Lester, ça va, tu t'es pas trop chier. Parking lot entrance. C'est ce que je vais faire. So, you got any idea how we'll do this? Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, 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 no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in?
Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. Now we'll follow him and see what we think. He should be coming out here soon. Ok, donc on va attendre la voiture. Ah, j'entends déjà une voiture, bah elle est là. Ooh, what's this? C'est lui. That's not it. So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Ok, donc on attend la prochaine voiture. Ah, c'est déjà. Donc, on va regarder. Nope. Ok, c'est pas celle-là non plus. Oh, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Mm-hmm. Très bien. Donc maintenant. Putain, ça va vite, Here we go. Il y a du monde qui sort d'ici. This is not the car we're looking for. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. La liberté n'a pas de prix. C'est vrai. Tout à fait. Et puis avec ça, il y a déjà la prochaine voiture qui va assez vite là. That's the one. Ouais. Stay behind him, but don't let him see you. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Mais ne fais pas chier là, genre tu m'as pas vu. Putain, mais de devant, elle est super belle aussi, il faut le dire. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Okay. Très bien. Avec les nuages roses. I just spoke with Agent Haynes. C'est super beau là. Good. Et je kiffe le devant de cette voiture là. Et l'enfoiré m'a doublé là. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. He's gone left there, you see? Ouais, t'inquiète pas, j'ai vu. Le bus là, il me fait un peu chier. Voilà. Donc par rapport aux vidéos, je vais essayer de vous présenter encore une vidéo du en ligne bientôt là. En ce moment, c'est un peu chaud quoi. Mais de toute façon, moi je prends. Mais putain, mais alors là, le bus là! C'est quoi? Qu'est-ce que je pense de ta part? Attends. Fuck you! Putain, mais arrête là! Ça, j'aime pas les mecs comme ça. Moi, je vais rester sur le fuck là non-stop comme ça. Voilà. Ça, je kiffe. Drive like a sane person for once, please! Oui!
putain, j'ai le droit de klaxonner encore. C'est un bus qui me fait chier à mort. Là. Ok, je m'arrête dans le coin. Dans le coin, c'est là. Ah bah non. Dans le coin, c'est là-bas. Go in and have a word. Harvey Molina. Hey Marilyn. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look, I'm busy. Only when she needs something. Jesus. Okay. Pas trop se rapprocher. Dans son appartement. Ok. Bonjour. Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money, and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this, but you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Ok, donc lui ça va, il n'était pas trop méchant, mais je le sens quand même pas trop le gars, mais bon, c'est pas grave. Salut Lester, j'ai le sac. Successful? Oh yeah. We gotta go back to my office. Ok, avec plaisir. Par contre, il faut de nouveau que j'éteins la radio. Donc comme dit, le en ligne ça va arriver les prochains jours. Je vais essayer de le faire le plus vite parce qu'il y a déjà plein de monde qui me demande. Mais le problème c'est que j'aimerais bien finir l'émission d'abord. Il faut voir. Et puis le Formule 1, ça va... Oh putain. Le Formule 1, ça va arriver aussi. Mais en ce moment j'ai un peu du mal encore avec le Formule 1. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm gonna find a way to bypass a couple of $100 million worth of government security. Millions? They blew that much? Government contracts, license to steal. Wow. We are in the wrong business. No? Voilà, il y a Franklin. The wrong contracts. Ah, he's already here. Ouais, il est déjà là, Franklin. Franklin, bonjour. Franklin. Il est où le petit coquin? Ah bah il est là. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor. It's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dog. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tail him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself. Oh, good, good, good. Oh là là. Nettoyage de bureau. Très bien. Donc encore une fois, les vidéos vont arriver, c'est sûr. Mais comme dit, je fais un peu ce que j'ai envie de faire et donc voilà. Après, on verra par la suite. Par contre, je vais encore vite fait trafiquer la voiture. Donc pour ceux qui veulent vraiment juste voir l'émission, vous pouvez arrêter la vidéo là.
Et sinon, bah vous pouvez laisser encore 2-3 minutes quoi. Juste le temps que je trafique encore la voiture. Et puis voilà. Donc, grotte di Carbazzare sportive. Donc déjà on répare le véhicule. Allez, on se permet un blindage amélioré à 100%. Les freins au max. Le moteur au max. L'échappement double. Ouais, non, non, non. Voilà. Xenon, ça j'adore. La plaque en noir, ça le fait bien. La peinture. J'aime bien le métalliser, mais par contre, je sais pas du tout quelle couleur. En rose, ça je kifferais à mort. Bon, pour l'instant, c'est en jaune. Vous savez quoi? Non, 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 vous savez rien du tout. Je vais faire ça. C'est pas la plus belle des couleurs, mais c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah, ouh. Allez, on va faire bleu diamant encore. Un aileron, ça j'aime pas trop. Suspension de compétition, allez. Transmission de course, le turbo on met, les roues haut de gamme, allez, un truc pas trop cher, le les couleurs on met genre emprunt aussi. On met encore custom, ça oui. La preuve de base, on met aussi. Après, on met encore le truc genre en orange. Les fenêtres, on les fait limousine. Et puis voilà, ça c'est fait. Et puis sur ce, on va s'arrêter là déjà. Et puis on va continuer là. Ah, voilà. Oh là, il y a une mission qui nous va nous attendre là. J'espère que j'ai l'occasion encore de garer ma voiture avant. Sinon, si j'ai perdu tous ces thunes, c'est triste. C'est très triste. Donc comme dit, je vais essayer les prochains jours de vous présenter encore une petite vidéo en ligne. Et puis aussi sur le Formule 1, mais comme dit, c'est chaud vraiment en ce moment. Et j'aimerais bien en voulant finir l'émission, pas parce que ça me fait chier ou quoi que ce soit, c'est juste pour pouvoir continuer avec les autres projets que j'ai encore. Même si ce jeu vraiment, il est franchement très très bien et ça fait vraiment plaisir d'y jouer. Et c'est vrai qu'on a attendu longtemps pour ce jeu. Donc il faut en profiter. Donc sur ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis à très très bientôt, tôt les gens. Putain, très très bientôt, très très bientôt bien sûr.